Actuellement, j'ai le micro du stabilisateur dans la main. Salut Court Cuts. Alors, vous demandez sans doute ce que vous foutez avec moi dans une chambre d'hôtel. C'est très très simple. J'attends en fait mon départ pour Los Angeles. No Pain No Gain m'a invité une semaine à LA pour voir match NBA, visiter des playgrounds et tout. Un programme de fou. Vous êtes bien sur Sissi. On est parti. C'est parti, je fais la queue, on commence à remplir des papiers sur le coronavirus. J'ai passé le check-in, j'ai mon billet. LA, j'arrive. Allo, ça va être long, ça va être très très long. Ok, Court Cuts, alors là on est dans l'avion. Ça fait 6 heures qu'on vole, je suis éclaté. Mais heureusement, j'ai 3 sièges. Il y a seulement les anciens qui comprendront pourquoi je filme ça. Atterrissage réussi. C'est bon, je suis en place à LA, je suis sorti de l'aéroport, direction l'hôtel. Taxi Manila, on est à côté du Staples Center et on va aller jouer sur le parquet du Staples Center. Je suis défoncé, mais je vous explique en fait pendant une heure là on va jouer sur le parquet. Normal. Il y a des gens vraiment chauds. Ces chaussures là, la dernière fois qu'elles ont joué au basket, elles ont foulé un terrain à Mayotte et maintenant elles passent au Staples Center. Je rentre officiellement sur le parquet des Clippers. Donc là le programme c'est qu'on a une heure sur le terrain, on fait quelques photos et là 3 contre 3, demi-terrain pour s'échauffer et on finit full courte. On a qu'une heure et on est aux US donc c'est millimétré. J'hallucine toujours ce que je fous là. Il est au milieu. Il est au milieu. Il est là. C'était le shoot à 100 000. And one. Ok, nice shot. Bang, 2 points. Ok. Oh, what a pass! Oh! Je voulais vraiment voir un truc de ouf. Il y a des vrais noms d'équipe ou pas là? Là-bas, on peut voir le maillot de Kobe. Oh! Oh! Actuellement, j'ai le micro du stabilisateur dans la main. Et voilà, tout va bien. Représente Court Cuts. J'annonce l'objectif, c'est de poser un 3-6 sur le Staples Center à la Paul George. Voilà. J'ai 12 heures d'avion dans les pattes, mais je vais quand même essayer. C'est terminé, on quitte le terrain. Une heure de kiff total. Et là, on va partir à l'hôtel. J'ai besoin de me reposer, 12 heures d'avion et direct pour jouer. C'est compliqué. Là, on quitte le Staples Center. Faut m'expliquer quel genre de bar a autant de télé. Le gars live de Mayotte, il arrive, il va faire un match sur Staples Center et il va s'acheter une paire de pompes après. J'ai pas dormi, je vais m'acheter une paire de pompes. Los Angeles, deuxième jour, j'ai dormi 4 heures. Petit footing à 6 heures du matin. On est au sommet de Los Angeles.